Poum poum chic. Ça y est, nous sommes de retour sur le plateau de l'UBB Live TV. Victoire de notre équipe Union Bordeaux-Bègles 57-9. Messieurs, félicitations pour cette belle victoire. Vous étiez dans les tribunes, vous avez quand même vibré, c'est ce qu'on disait en off. Ouais. Beaucoup de plaisir à entendre le public. Il n'y avait pas grand monde, il y avait une jauge de 1000 ce soir. Votre premier ressenti là, au sortir de ce match? Mais génial, génial déjà de la victoire. Très content d'avoir fait le boulot en prenant les 5 points. Et après, vraiment, on se le disait même en tribune, rien que de retrouver notre public, rien que c'était 1000 personnes, mais on peut donner un peu de la voix. Et on sent que voilà, qu'on a donné du plaisir et du bonheur à ceux qui étaient là. Et de le partager, ça fait du bien, ça faisait un moment. Cameron, même question des tribunes, c'est forcément différent du terrain, mais on a eu ce sentiment, même à 1000, petite ambiance, des chants, des supporters, des drapeaux. On retrouve petit à petit le chaban, j'imagine que même en tribune, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, c'est un énorme plaisir de revoir tout ça, de revoir ces chants, de revoir pas mal de monde au stade. Voilà. Et voilà, ça s'est vu sur le terrain, les joueurs se sont transcendés pour cette victoire à 5 points. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde au stade. Alors messieurs, on va décortiquer cette rencontre, on va ensemble analyser ce qui s'y est passé. On va également avoir les conférences de presse pendant cet après-match. On aura également la remise du maillot qu'il faudra signer juste après avec l'annonce du vainqueur. On découvrira tout ça. Peut-être des surprises, messieurs, je ne sais pas, hein, tout va. En tout cas, tout est positif pour passer une bonne deuxième partie d'émission. On va retrouver dans quelques instants la conférence de presse avec un des entraîneurs du MHR. On nous fera signe quand il sera en conférence de presse. Ça y est, il est en conférence, donc on va suivre cette conférence pour la réaction, j'imagine, forcément déçue des Montpelliérains qui sortaient d'un match victorieux en finale de Challenge Cup. On écoute la conférence de presse. Parce qu'on est loin d'être sauvés. Bayonne aura eu 15 jours pour préparer notre match. Alors que nous, on a enchaîné 5 matchs. Donc, je ne suis pas un arbitre. Je suis dans la course. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Salut, putain. Ah, c'était rapide. On sent. Hein, alors, c'est quelque chose qui est ressorti du banc également pendant la rencontre. Deux joueurs blessés assez gravement du côté de Montpellier. Les Montpelliérains qui ont mis sur le plateau le coup de l'enchaînement des matchs. C'est regrettable quand même d'avoir cette équipe de Montpellier ce soir aussi diminuée. Est-ce que pour vous ça fausse quand même ce top 14, ce Covid et ces matchs en retard? Bah forcément, certains diront que ça fausse et c'est vrai qu'ils viennent pas avec leur équipe type. Ça n'enlève rien au succès du bébé, hein, ce qu'on dit là. Il y a des équipes qui sont avantagées, d'autres pénalisées. Comme on disait tout à l'heure, je pense que toute la saison, mais tout le monde doit s'adapter. On a tous été victimes de ces cas de Covid et des matchs reportés. Mais c'est vrai que pour Montpellier, ça tombait pas très bien. Après, on est très content pour eux parce qu'ils ont gagné la Challenge Cup. Mais c'est vrai que c'était difficile d'aligner 3 jours après une équipe mais aussi performante que celle qui était à Twickenham. Donc, eux aussi, ils ont dû composer. Donc, on a vu des jeunes joueurs qui n'ont pas démérité, franchement. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu un peu de casse et ça c'est regrettable et c'est ce qu'on n'aime pas voir sur un terrain. Mais voilà, pour notre part, on est quand même satisfait du contenu. Alors messieurs, 10 points sur 10 de prix en 2 matchs en retard. C'était un objectif affiché d'aller chercher les 5 points du côté d'Agen. Ce soir, on peut se le dire, est-ce que c'était 5 points de visée ou la victoire était importante et après le point de bonus était une option à prendre? Non, les 5 points étaient un objectif parce que... Je pense qu'on savait au fond de nous que Montpellier, après cette finale où ils ont laissé beaucoup de jus, allait mettre une équipe assez jeune ou assez remaniée comme ils ont pu le faire au Stade français. Donc de suite, voilà, on s'est focalisé sur ces 5 points-là. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose de fait. Donc on est très content. Et voilà, aujourd'hui, on est dans le haut du tableau. Donc ça fait plaisir. Si on regarde un peu le classement général... On peut viser plus haut, quoi. Exactement, viser plus haut. L'UBB est classé deuxième ex aequo, alors troisième au goal average derrière La Rochelle. 72 points. L'objectif, c'était le top 6. C'est quasiment fait. On ne peut pas dire qu'on est qualifié ce soir parce que mathématiquement, ce n'est pas fait. Mais en tout cas, on a un pied et beaucoup d'orteils dans ces matchs qualificatifs pour les phases finales. Le travail est quasiment fait, en tout cas, pour cet objectif-là. Oui, clairement, on avait pour ambition d'engranger pas mal de points sur ces derniers matchs.
Encore une fois, comme l'a dit la WOC, on avait visé quand même sans prétention, mais 5 points ce soir, c'est chose faite. Et je crois qu'on s'est plutôt rassuré aussi dans le contenu. On les a respectés, on était sérieux, appliqués. Il y a eu de très bons mouvements. Je crois qu'on a été dominant en conquête. Et on a vu dans le mouvement de jeu général aussi que quand les conditions s'y prêtent, ben, on retrouve notre ADN, ce qui fait un peu notre force. Donc il y a quand même pas mal de satisfaction ce soir. On peut être content. Alors tu dis, c'est vrai qu'on n'est pas encore qualifié, on va pas fanfaronner, mais en tout cas, c'est quand même, ça sent quand même très très bon. Et voilà, on rentre dans quelque chose d'historique comme on disait tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Alors messieurs, je vais attraper ce maillot, puisque ce maillot, c'est un de nos supporters qui va le remporter ce soir par tirage au sort. C'était l'émoticône choisi par Nance du Coin pour tenter d'être tiré au sort. Et c'est Thomas Nouchi qui remporte ce maillot. Thomas donc recevra ce maillot signé de votre main. Alors je vais vous le faire passer. Vous faites une petite signature pour Thomas. On va bien lui agrandir le col comme ça. Il pourra rentrer dedans. Non mais tu écris pour Thomas. Oui bien sûr. T'as une belle on va le mettre sur le rouge pour que ce soit plus visible avec le gris. Ça sera plus sympa pour lui. Tu peux m'aider un peu Vincent à le tirer. Voilà pour pas faire une. Hop, on y va donc Thomas Nouchi qui remporte donc. Ce maillot, signature c'est également de Cameron Wauquiez. Est-ce que tu peux me l'étendre, dis-moi ? Voilà, parfait. Mais pour Thomas, toi qui as une belle plume. Voilà. Et on va basculer avec Martin Devergy qui est en conférence de presse de Montpellierin qu'on va essayer d'écouter. Entraînement, une mise en place. On est parti ce matin, donc il n'y a pas d'excuses. Hein. Je pense que si sur des matchs comme ça, il n'y a pas de préparation à avoir. C'est juste dans la tête et voilà. Mais c'est, je pense que on repart les valises pleines, mais pleines d'enseignements aussi. Et puis voilà, ça va être peut-être dur, mais bon, au moins ils vont pouvoir travailler sur ça. Puis nous aussi, j'en apprends aussi. Entre le Stade français et le match de ce soir, pour la Bleuzaille Montpellier-Rennes, c'est de l'apprentissage en accéléré. Oui. Après, il y avait une question de contexte aussi contre le Stade français. On avait peut-être eu un peu plus de préparation. Pour la plupart, c'était leur premier match. Donc, le discours était vraiment axé sur ça, premier match en vide. Et là, je pense que c'était... peut-être un peu plus compliqué de préparer ce match, notamment mentalement, parce que pour ma part, je suis arrivé samedi après-midi, après un titre. J'ai pu les voir que lundi. Donc pour préparer ce match mentalement, c'était un peu plus dur. Et puis, y a eu des conditions climatiques aussi qui ont fait que. Entre le Stade français où ça pleut, il y a quand même pas mal plu. Ça a peut-être altéré leur jeu au Stade français. Puis là, Bordeaux qui a quand même déroulé. Puis après, nous, pour préparer une conquête aussi, c'est un peu compliqué sur peu de jours de préparation. Après, voilà, on avait de jeunes piliers, de jeunes deuxième, troisième ligne. Donc voilà, ils savent ce qu'il y a à faire pour progresser et pour pouvoir rivaliser d'ici quelques années. Mais je leur souhaite qu'ils prennent ce match en enseignement et que dans 2-3 ans, ça soit eux qui reviennent ici et qui mettent le combat. Et peut-être pas un score comme ça, hein, mais voilà, je leur souhaite. Retour sur notre plateau avec la conférence de presse du Montpellierin, Martin Devergy, qui analyse cette défaite de Montpellier avec de l'apprentissage. Beaucoup de jeunes étaient annoncés ce soir et c'était le cas. Il restera 2 matchs pour terminer ce top 14. On est désormais dans les clous par rapport au nombre de matchs et des adversaires directs. Un déplacement à Toulon le week-end prochain, la réception du Stade Toulousain. C'est quand même une fin de championnat tendu qui vous attend, vous en avez conscience. L'objectif, ça va être une qualif peut-être directe maintenant, une demi-finale ou directement une réception de barrage. Ben, je pense qu'on va en parler entre nous dès demain, ouais. Sur la vidéo, mais on va faire le bilan de ce qui vient de se passer et comment se projeter sur justement ces deux derniers matchs.
Et je pense que ça serait une erreur de dire qu'on est presque dans le top 6 et de entre guillemets garder nos acquis. Ouais. Je crois qu'on peut viser plus haut, on a l'effectif, on se sent bien, on enchaîne les victoires, donc on enchaîne aussi, on engrange pas mal de confiance. Donc je pense que connaissant Christophe, lui aussi sera pour aller chercher le plus haut possible, c'est-à-dire les deux premières places si on peut. Alors, il y a un scénario quand même idéal dans cette rencontre de l'UBB face au MHR. Le bonus était assuré dès la pause. C'était quelque chose qui était donné comme consigne de la part du manager. C'était d'aller chercher rapidement des points pour les mettre à distance et ensuite assurer ce bonus. C'est ce qui a été fait finalement rapidement sur la première mi-temps. Je ne sais pas si c'était des consignes, mais forcément, lorsqu'on veut gagner un match à 5 points, il faut forcément de suite avoir le bonus et le maintenir. Donc, non, je pense que les joueurs qui étaient sur le terrain se sont de suite dit qu'il fallait mettre le plus de points possible pour maintenir le match. Alors, on ira écouter l'analyse de Christophe Fureuse tout à l'heure en conférence de presse. J'imagine que c'est à la fois une satisfaction pour vous, une frustration de ne pas avoir été sur le terrain. Vous savez comment ça va se passer sur la fin de semaine, comment ça se goupille par rapport au déplacement. C'est samedi à Toulon. Le groupe sera annoncé fin de semaine, j'imagine. Demain, c'est quoi? Entraînement pour tout le monde, repos pour certains? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Mais ceux qui ont joué ce soir, demain, on se retrouve tous demain à 9h01. Je pense qu'on débrief le match par une vidéo, on se projette sur le prochain qui arrive. Et ceux qui ont joué font de la récup, des soins. Et je pense que nous, on va essayer d'avoir une cellule des joueurs qui n'ont pas joué pour nous maintenir un peu physiquement, comme on l'a fait là depuis ces deux derniers jours. Et ensuite, se projeter déjà sur Toulon et commencer à établir la stratégie et peut-être l'annonce du groupe. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en pense ton papa? Le papa, c'est... Ouais, c'est Christophe. Il ne fallait pas l'annoncer, mais bon, c'est un peu fiston. Ouais. Non, je pense que... Ok, pardon. Non, mais tout... Pardon, excuse-moi. Ah. Je peux répondre, mais je suis désolé. C'est ma sœur. C'est ma sœur, c'est Katia. Oui, Katia. Oui, ça va et toi? Ouais. Ben non, tu me déranges pas trop, non. Je suis un... avec sa sœur. Ouais. C'est celle qui faisait la gym, c'est ça? Ouais, mais je suis à la télé, là. Ouais. Avec Bébé Live, tu sais, l'émission, là. Mais avec Vincent, là, voilà. C'est son corps de gym. Oui, celui qui barbouille, c'est bien peu, ouais. Qui a du mal à enchaîner, ouais, c'est ça. Allez, tu vois, là. Il est là. C'est drôle, ça. C'est marrant. Bon. Oui, ben oui, je suis avec Cameron. Et je le sais que c'est ton joueur préféré, même pas le tout le temps. Cameron Parsi, quand même, par là. Elle te fait des gros bisous, t'es mignonne. Moi aussi, je pense. Hein? Okay. Tu m'appelles pour la quiche pyrénéenne? Mais quelle idée. C'est ta soeur qui fait à manger. Ouais. Tu fais à manger maintenant, là? C'est pour la recette. Ça gêne pas, moi. Non, tu sais, on est en famille. Hein. Ouais, ouais. On est en famille ici. L'UBB, c'est une grande famille. Il est gentil, ouais. Mais toujours pareil, ouais. Excuse-moi, je fais vite. Lardon, crème fraîche, pâte feuilletée, 2-3 crottins de chèvre et un petit peu de ciboulette, comme d'hab. Oignons, voilà. Oignons, exact. Bah, 180 degrés au four. Et si on met pas les oignons? Ouais. C'est pas, okay. C'est pas la top, quoi. Ouais, bon, je te rappellerai, peut-être que je dérange un peu. Non. Mais... Oh, tu vas me parler à Cameron, Kat, on est en pleine mission. Ouais. Dans la lourdeur, quoi. Pas celui. Bon, allez, biteuf. Allez, je t'embrasse. Allez. Ciao, Kat. Ciao. Allez, on joue au jeu. Elle va bien. Ouais, très bien. Alors, est-ce que tu peux revenir d'ailleurs sur le confinement par rapport au cours de danse qu'elle nous a fait? C'est son métier, c'est son métier, c'est son métier, les danseuses. Non, c'est sur téléphone, s'il te plaît. Pardon. Ouais, excuse-moi. Tu veux qu'on sorte peut-être? Ouais, tu peux t'enlever s'il te plaît. Il est proche de sa sœur, apparemment. Mais quand est-ce que tu reviens à Bordeaux? Demande la nouvelle du petit. Et donc, okay. Ouais, donc ma sœur est aussi danseuse. Et donc, ouais. C'est son métier premier. Et c'est vrai que pendant le confinement. Ouais, pas de soucis, voilà, on fait ça. Ça a donné un petit peu à sa passion. Oh, mais non, t'inquiète, je suis surveillant. Maintenant, ça bosse très très fort. Donc elle est devenue un petit peu influenceuse. Ça décolle. Elle travaille donc ouais, super, parfait. Une toilette de voiture, non? Elle a biscuit. Boulangère. Ouais, ok, boulangère. D'accord, ok. Top. Bon. Je suis vraiment désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. On est aussi en famille. C'est aussi ça, les aléas du direct. Hein, vous l'aurez compris. Dans du coin, Cameron Louki, il fallait s'attendre à des. Nickel. Voilà, à des choses imprévues. Ouais. Si c'est que ça, ça me va. Hein? Non, tu penses. Non, mais. Non, tu me connais. Il n'y a pas que ça, t'inquiète. Oui. Non. Ça, c'est assez. Ne t'en fais pas, Vincent. Non, mais après, voilà. Moi, s'il y a d'autres personnes qui doivent appeler, n'hésitez pas. Ah, mais c'est son frère, Marvin. Tu l'as dit, il va faire le sac de la fin de cul. Alors, on est toujours sur notre UBB Live TV en deuxième partie d'émission. On va bientôt retrouver des conférences de presse. On ne sait pas ce qui s'y passe. Apparemment, ils ne se bousculent pas pour aller parler en conférence de presse. Donc, on attend les infos. Justement,
Avant d'aller sur la conférence de presse, puisqu'on évoquait un petit peu le côté confinement avec ta sœur, j'aimerais qu'on revienne sur un buzz également qui a été fait il y a quelques semaines, c'est cette chanson des vestiaires, du vestiaire en tout cas, de l'UBB. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi j'ai une question très sérieuse. Dis-moi. Où est-ce que tu trouves l'inspiration? Quelle est ta source d'inspiration? Non mais... Merci, on va retrouver Jeff Poirot en conférence de presse. Pour l'instant, c'est pas officiel. C'est un peu pénible, mais bon. Mais j'espère que oui. Voilà. J'aurais aimé dire ce soir parce que je pensais que c'était le cas, mais a priori, c'est pas le cas. Mais on va attendre un petit peu, et puis j'espère que dès le week-end prochain, on pourra dire que voilà. Enfin, on va aller vivre à Bordeaux. Tu as vécu comment ce match? Il nous a semblé facile depuis la tribune. Ben, c'est jamais facile parce que justement, quand comme c'était pareil à Agen, mais quand on a une équipe présumée plus faible ou remaniée en face, c'est jamais facile de faire de rester dans son jeu. C'est jamais facile de rester dans son système. C'est jamais facile de continuer à mettre des points parce que ben au bout d'un moment on s'enflamme, comme sur la fin de la première mi-temps on s'est un peu enflammé parce que on pense que c'est des fois on se prépare toute la semaine en se disant oui mais c'est pas l'équipe. Donc je suis assez content de l'enchaînement des deux matchs parce que sur ces deux matchs on a réussi à mettre quand même notre jeu en place. On s'est comporté en tant qu'équipe comme on voulait le voir. On a réussi à mettre en place aussi notre jeu d'avant, notre jeu de trois quarts. On a joué beaucoup dans l'avancée certes, mais voilà, c'était important de faire des matchs aboutis. Et je pense que en tout cas sur ces deux matchs, on a fait deux matchs plutôt aboutis, même si il y a eu des brides d'enflammade par moment. Même si vous êtes un peu enflammé à certains moments, être resté dans le schéma de jeu et d'avoir respecté, comme l'ont dit les Montpelliérains, cette équipe pendant les 80 000, ça montre aussi que vous grandissez, entre guillemets, vous grandissez, vous continuez votre évolution. Oui, exactement, parce qu'en plus, très honnêtement, Montpellier, sur la première mi-temps, ils ont mis beaucoup d'engagement, on s'y attendait. Une équipe de revanchards avec des jeunes qui avaient l'opportunité de montrer aussi qu'ils étaient là. Ils l'ont vraiment montré, je pense qu'il faut leur dire bravo, je pense qu'on en reverra aussi rapidement, donc c'est une bonne chose pour Montpellier, une bonne chose pour le rugby français, et on aurait pu tomber dans le piège, dans le faux rythme aussi avec ces blessures qu'il y a eu consécutives, et on est resté dans le schéma, on est resté dans ce qu'on voulait faire, et on a réussi à sortir un match plutôt abouti. Vous vouliez gagner les 4 matchs? Pardon? Vous vouliez gagner les 4 derniers matchs, c'était l'objectif, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez faire des deux derniers? Bon, ça, on verra bien. On va s'y pencher demain. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'on veut se qualifier. Je pense qu'il nous manque un point pour se qualifier. Donc, il va falloir déjà essayer de récupérer des points. Et puis après, on va tout mettre en place pour faire la meilleure fin de saison possible et pour rester maintenant collé à ce duo de tête. Le coach dit souvent on veut se qualifier entre 1 et 6. Là, vous êtes plutôt à 3. On va dire. Est-ce que forcément les deux premières places, vous dites c'est faisable, il faut y aller parce que ça veut dire demi-finale directe quoi. Mais forcément que ça nous tend un petit peu les bras, mais il faut rester aussi à notre place. Voilà, on va d'abord sécuriser cette troisième place ou quatrième au minimum, et puis après on verra si on peut faire mieux. Mais on s'interdit rien. Je pense que ce soir, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est passé du statut de 1 à 6 à 1 à 4. J'espère qu'on sera au moins capable de se dire qu'on doit assurer ce top 4. Et puis après, si on peut faire mieux, on le fera. Ouais. Voilà, on est de retour avec nos deux invités, Nance du Coin, Cameron Louki. Messieurs, il y a plusieurs infos importantes dans cette conférence de presse de Jeff. D'abord, très fair play sur l'équipe de Montpellier. Qui a été suivi beaucoup d'audience. On est très regardé ce soir. Félicitations à vous deux. C'est certainement grâce à vous. Actuellement, on est très suivi sur les réseaux. Voilà. Ah, c'est serré. Donc, de retour sur le plateau de l'UBB Live TV. Premier jeu gagné de la journée.
pour que tu parles. Non, mais c'est pas, c'est, je t'ai déjà dit en enfer. On fait comme on à la maison. On se sent quand même. Voilà. Ce soir, il y avait rendez-vous en terrain connu à Vianney. Bah, il y a l'UBB Live TV avec Ducoin et Woki. Prochaine fois, on vient en chaussons, sans déconner. Non, mais c'est vrai. Avec le plaid. Exactement. Exactement. Des choses importantes sur, sur les mots de Jeff Poirot qui salue le travail des Montpelliérains. Jeune équipe de Montpellier, on l'a dit, mais qui souligne la performance de l'UBB. C'est pas tout à fait acquis. Les journalistes aiment chafouiner un peu sur les probabilités, en tout cas, de non-qualification. On peut quasiment dire qu'on est qualifié ce soir. C'est pas avouable, finalement, définitivement, parce qu'il nous manquerait un point. Pour vous, est-ce que c'est quand même quelque chose de franchi dans ce top 14? C'est un gros pas de fait. Ouais, après voilà, mathématiquement, rien n'est fait, mais il faudrait un cataclysme pour qu'on... Il faudrait aucun point, ouais, aucun et que point, tout le monde gagne forcément. C'est ça. Et par deux bonus, donc la probabilité est faible, donc bon, on va rester humble parce qu'on ne sait jamais, ça peut se retourner, mais en tout cas, on est contents parce que voilà, on engrange des points sur les matchs qui étaient quand même très importants. Des tournants, et là, plus on se rapproche de la fin, plus on sait que ça va être bataillé. Et tous les points vont compter dans ce top 6. Et ça, Christophe, il en a conscience, il nous le rabâche assez. Donc voilà, on vit pour l'instant une très bonne dynamique, à nous de la conserver et de faire en sorte que sur ces deux derniers matchs, on aille aussi grappiller des points à Toulon et ici contre Toulouse. Juste avant de revenir sur la question que je t'avais posée avant la conférence, parce que je vais quand même te laisser la parole pour nous expliquer tes paroles de chanson. Tu vas pas me recouper là. Non, promis. Une question, management de Christophe Furios, est-ce qu'à aujourd'hui, il fait des comparaisons par rapport à l'an dernier ou pas du tout? On est finalement sur une lignée très positive sur ces derniers matchs. Et vous êtes quasiment dans le haut du tableau. Donc, ce n'était pas l'année dernière une exception. L'UBB s'installe petit à petit dans ce top 6 et dans ce top 3 et dans ce haut de championnat. Il vous le rappelle, il vous le répète ou pas du tout? Petit à petit, on s'installe dans ce championnat, oui, c'est vrai. Mais en ce qui concerne la saison dernière, on n'en parle plus du tout. Aujourd'hui, on est focalisé sur les échéances qu'on a eues cette saison. Donc, on a eu pas mal d'échéances entre la Challenge Cup et la Champions Cup et forcément le top 14. On a pas mal de choses à penser. Et aujourd'hui, Christophe ne nous parle plus du tout de la saison dernière, mais on est vraiment focalisé sur l'objectif qui est de se qualifier cette saison. L'UBB grandit. Retourne. Allez-y, rentrez, monsieur, je vous en prie. Oui. Alors vous le voyez pas à la vidéo, c'est Jean-Baptiste Dubier qui revient et qui fait. J'ai du temps. Oui, c'est bon, et qui fait ce soir office de traiteur. Donc on le. JB, il fait tout dans ce club. C'est quand même l'homme à tout faire de cette équipe. Il en faut, des comme ça. Multicasquette, exactement. Non, exactement. Il est très fort, joueur, chanteur, danseur, entraîneur, coupeur de citron, serveur. Il est fascinant, ce garçon, franchement. Un autre qui est fascinant, c'est Alphonse. Alfonso. Et c'est la cible de ta chanson. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la composition de ce morceau? Alors, c'est une reprise, on peut l'annoncer, parce que certains peut-être ne connaissaient pas la version originale. Comment ça t'est venu? Non, mais on avait parlé, on avait fait une réunion il n'y a pas si longtemps avec Christophe qui disait que ce serait bien qu'on se raccroche à des hymnes, à quelque chose pour cette fin de saison. Et de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite chanson sympa. Ah, mais en plus, voilà, superbe. Voilà, on louait ses qualités de serveur. Merci, assis-toi. Merci Jean-Baptiste. Bonsoir, mais oui, mais viens, fous-toi là. Vous êtes le traiteur, c'est ça? Voilà. Oh, l'âme forêt, mais ce bugne qu'il a, celui-ci. Alors, j'ai trois quiches. Alors, présente-nous ce que tu... C'est après, toi qui les as faites, c'est la reprise des restaurants. Il faut les saluer, nos amis restaurateurs, les partenaires de l'UBB également. Vrai. Mais ça, c'est Jean-Baptiste qui a aussi des talents de cuisinier qui va nous dire un petit peu sa composition de cette quiche. Alors, tout commence par le plat. Oui. Si tu n'as pas le bon plat, tu ne peux pas faire la belle quiche. D'accord. Moi, j'ai choisi un plat de chez Pyrex, oui. Que ma maman m'avait fourni. Que j'avais acheté à Auchan. Oui. Ce qui est important, c'est la base, la pâte. Pâte surtout pas feuilletée, une pâte pleine, remplie de sucre. Et derrière, après, tu mets des œufs de la ferme. Ne rigole pas, toi. Ici, rigole. Des œufs de la ferme, du lait de la ferme, 4 lardons. Tu peux varier avec des allumettes. 4 lardons. Pas plus. C'est précis, on les voit. Et elle est à qui, celle-ci? Elle est à... C'est... À quiche. À Lorraine. Et c'est ton plat signature, ça? Comment? C'est ton plat signature? Non, mon plat signature, moi, c'est merguez. Merguez. Merguez au barbecue, oui.
Je te propose juste de faire une courte déviation par la conférence de presse, puisqu'on a un autre amateur de cuisine. C'est Jules Gimbert avec son tataki, là. Oui, oui, tataki, oui. On va redécouvrir Jules, et puis après, on revient sur le plateau. Le plat du jour. Tu t'es chalumé. On se retrouve avec Jules. On fait de très bonnes performances, donc c'est de bonne augure pour la suite. Je me sens comment ce groupe, il est décomplexé, il a envie d'en découdre, il s'interdit rien. Bah déjà, c'est un groupe qui vit très très bien. Et ensuite, on est tous tournés vers le même objectif de gagner ce Brennus. Donc, on est motivés, on se donne à 100% chaque week-end. Et tu sens que ça est en train de monter dans le désir ? Ouais, je le sens. Après, on reste lucide. On sait que ce n'est pas terminé et qu'il va falloir finir le travail sur les deux derniers matchs qui restent là. Merci. Merci. On est de retour. T'es à l'antenne, on me dit. Ah, pardon. On est de retour sur le plateau de l'UBB Live TV. Est-ce qu'elle est bonne, la quiche de JB Dubier? Ouais, meilleur joueur de rugby finalement que Cuisto ou l'inverse? Au vu de la quiche, meilleur Cuisto, je pense. Franchement, elle est bonne. Hein. Il était bon. On saluera donc. En tout cas, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. L'important, c'est la récupération de toute façon, hein, vous l'aviez dit. On a entendu Jules, j'ai absolument pas écouté ce qu'il a dit, donc je vous laisse le soin de partager. C'est comme ça, là. Non, pas du tout, parce qu'on a des questions en veux-tu, en voilà, pour vous, parce que vous êtes nos invités et qu'on a, on a du talent sur notre plateau. Et, Alors là, c'est il manquait que lui. Pompidoche, viens ici. Si. Alors c'est simple, il y a deux légendes. Il y a Alfonso qui arrive dans l'émission d'après-match et il y a Christophe Furios en conférence de presse. Chaque fois que tu arrives, finalement, c'est le passage à Christophe Furios en conf de presse. Assieds-toi avec nous. Quel bonheur, amiguito. Si, señor. On va écouter Christophe Furios et après on revient sur le plateau. Gagner le bonus, même si faut jamais le dire. Donc voilà. Donc je trouve que le groupe a été sérieux, comme il a été. On n'a pas été flamboyant ni incroyable, mais on a été sérieux. Et je trouve que c'est dans notre façon de fonctionner, c'est une preuve que l'on avance, quoi. Voilà. Dans des matchs comme ça qui sont pas faciles à aborder, notamment la première mi-temps. Il est blessé, ça s'arrête, ça repart, ça bon. Et finalement, on a gardé le tempo et c'était bien, quoi. Bon, troisième, Christophe. Deuxième ex aequo. Ouais, voilà, deuxième ex aequo, justement. Est-ce que les deux premières places... Pas pareil. Non, justement. Est-ce que les deux premières places, désormais, sont en objectif sur les deux derniers matchs? Écoute, on vient de gagner... on vient de finir le match, on va se poser la question. Ce que je voulais... à l'issue de la Coupe d'Europe, notamment le match de Toulouse, on avait ces 4 matchs, on avait comme objectif et comme mission 18 points. Il me semblait qu'avec 18 points, on ne serait pas loin d'être qualifié. Et après, on avait 2 cartouches pour savoir en fait comment on allait fonctionner, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, en sachant que c'est 2 cartouches pas simples quand même, hein, à Toulon et grosso modo au stade. Donc voilà, donc on a fait 19 points, on n'est pas encore qualifié, mais pas très loin, on peut l'être dès vendredi soir, sans jouer. Donc après, on va voir, on va se poser. Mais bon, l'appétit vient à manger quand même. Hein. Donc on verra, on a des échéances qui sont importantes. Il faut qu'on fasse le point avec les joueurs, on a parlé un petit peu dans les vestiaires déjà. On va voir. C'est quoi le plan de travail avant d'aller à Toulon là? Bon, le plan de travail, il n'y en a pas. il n'y a pas grand chose parce qu'on joue dans 4 jours. Donc demain, on a la récupération, 9h30, récupération, travail physique, un petit bilan rapide, une projection sur Toulon. Ensuite, jeudi, c'est off. On a gardé la même trame qu'on a fait la semaine dernière. Et donc vendredi matin, on fait mise en place améliorée. Avec mise en place améliorée et départ à Toulon. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. On a fait le choix de dans cette période de match à 2-3 matchs en semaine, de faire un maximum de fraîcheur physique, fraîcheur mentale.
Donc on savait que les matchs allaient nous faire travailler. Par ailleurs, on a évidemment fait tourner, comme vous le savez, le groupe. Et je trouve que les gars ont bien bossé à côté. Tout le monde a joué le jeu, c'était bien. Donc il me semble que demain matin, on aura un groupe dans son homogénéité plus fort avant le match à Gênes, quoi. Donc voilà. Donc après, il faut bien gérer ce match à Toulon. Il sera une chance capitale pour eux, évidemment. Eux, s'ils ne nous battent pas, ils ne se qualifieront pas. Hein. Donc voilà. Mais c'est la même si tu sais que tu es qualifié la veille pour l'approche du match de Toulon, même s'il n'y a pas beaucoup. Peut-être qu'on ne jouera pas. Non, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, je crois pas, quoi. Je pense pas. Parce que bon, on va aller à Toulon. Alors évidemment, on va continuer à faire un peu bouger les lignes, hein, parce que on a quand même 4 garçons qui avaient doublé par rapport à Gênes, Alex Roumat. Yoran Moafana, Pablo Huberti quasiment, puisqu'il il est rentré au bout de 10 minutes, et il me manque un. C'est 4. Donc l'idée c'est eux, je pense pas qu'ils jouent. On n'a pas encore défini. Autant j'avais les idées assez claires pour le match d'Agen, autant j'avais le match après Agen, les idées claires sur celui-là. Autant Toulon, je m'interdis rien. On verra, on va faire le point demain de la situation, des bobos, etc. Et on verra. Donc, mais par contre, pour revenir à ta question plus précisément, non, ça ne change rien pour nous, quoi. Le quatrième, c'était Nathanaël. Hein ? C'était Nathanaël Hulle, le quatrième. Exactement, Nathanaël. Tu suis quand même, c'est bien. Pour Yoram, c'est grave ou pas ? Il y a un torse à cheville, donc on ne sait pas trop, on va voir demain. Un torse à cheville. Un mot sur Jules Jamert, sa première titularisation. Bah écoute, c'était pas facile, hein, quand tu sur un match aussi important comme ça. Et en même temps, un match qui pouvait tourner un peu. Match un peu merdant à jouer, quoi, tu vois. Parce que bon, il y avait quand même beaucoup d'écart entre les deux équipes. Mais heureusement qu'on a été bien arbitré. Je trouvais qu'il a été bon, l'arbitre. Il a fait en sorte que le match se tienne bien. Et après, je l'ai trouvé plutôt à l'aise. Plus le match avançait, plus il était à l'aise, quoi. La première mi-temps, je l'ai trouvé un peu en dedans, même si il a quelques bonnes situations. Il s'est appliqué à bien faire jouer l'équipe. Hein. En deuxième mi-temps, il a trouvé des opportunités. Il s'est enfilé plusieurs fois. Donc c'est bien. Il a rempli son rôle. C'est sûr que l'UBB avait jamais joué dans son histoire de phase finale. Elle est en passe de jouer sa troisième en une saison. C'est quand même... incroyable. C'est une saison incroyable. Longue, mais incroyable. Ouais, longue, ouais. Écoute, les bilans, on les fera à la fin. Hein. Là, on n'est pas, c'est pas le moment de faire des bilans. Donc, une chose est certaine, c'est qu'on a déjà fait deux demi-finales. Hein. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, là, il reste deux matchs à bien gérer ce tournant. Et si on arrivait à faire des phases finales, franchement, ça serait une saison incroyable pour l'UBB. Franchement. Preuve de progression, de plus de constance Sur un plan simplement du résultat. Alors après, évidemment, les résultats, ils viennent de par les progrès, mais sur un plan purement résultat, un club qui ne s'est jamais qualifié la même saison, dans une saison qui est une saison compliquée, très compliquée, tu fais 3 qualifs, 2 demi, plus autre, on ne sait pas. Franchement, c'est bien. Je trouve que le groupe, je l'ai déjà dit hein, depuis un certain temps, mais je trouve que le groupe s'approprie le truc, quoi, vraiment. Tu vois, il n'y a pas de débordement, on pourrait sauter tous au plafond, parce que, tu sais, quand c'est jamais arrivé, écoute, bon, on n'est pas complètement qualifié, mais bon, il faudrait quand même un concours de circonstances incroyable. Mais bon, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc, mais je sens pas de l'euphorie, en fait, quoi. Les mecs sont contents, évidemment, ils sont satisfaits du match. Ils sont déjà projetés sur celui de Toulon, qui va arriver vite. Hein. Donc, voilà. Et puis Toulouse aussi. Donc voilà, donc ça c'est pour moi c'est encourageant. Pour moi c'est un signe d'évolution de ce groupe. Non, c'est bien. Et ce groupe il est quasiment le même. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Bah, ce groupe est le même par rapport à l'année dernière, tu parles ? Bah, il a un peu bougé quand même. Ouais.
Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On travaille. Hein. On travaille, on gagne des matchs, on travaille sur la confiance, on travaille sur le groupe, on travaille sur les... Ouais, on fait notre job, quoi. Ouais. Tu dis que l'appétit vient en mangeant pour savoir ce que tu veux dire. Et je peux te dire que je sais de quoi je parle. Et tu as faim de quoi, toi? C'est une bonne question, ça. D'abord, ce qui est important, c'est de se qualifier. Après, franchement, on ne s'interdit rien. On sent bien que cette saison, elle est tellement particulière qu'il peut se passer des trucs incroyables. Donc on va voir comment on va finir, si on finit 6e, si on finit dans le top 2, si on finit 3-4, tout est important, quoi. Tu fais un barrage à l'extérieur, c'est pas la même chose que de faire un barrage à la maison. Si tu fais un top 2, je sais pas, pareil, quoi. Je sais pas, on va voir, on verra. Par rapport à ce que tu décris là, est-ce que Toulon peut être considéré comme un faux 8e et Toulouse un faux 15e? Non, on va pas l'aborder, je sais pas, mais je pense pas l'aborder comme ça. Parce qu'après, on attaque par un faux 8e, c'est un faux quart, c'est un vrai demi, enfin, je sais plus trop, non. J'attends de voir vraiment ce qu'on va décider avec les joueurs. Parce que moi, je peux décider des choses, hein. Mais les joueurs, il faut qu'ils adhèrent, il faut qu'ils participent. Et selon ce qu'ils vont dire, nos compositions d'équipe et notre façon de fonctionner sera différente. Je me vois pas. Conférence de presse de Christophe Furios avec beaucoup de choses intéressantes. Alors, la première, on l'a senti pas fatigué, mais plus détendu que la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il a pris un peu de recul sur le match de ce soir. Il n'avoue pas être qualifié, puisqu'on a dit que c'était une histoire de un point finalement pour être certain d'être qualifié. Par contre, on avait oublié ce détail du match de vendredi soir qui pourrait automatiquement vous qualifier finalement sans jouer ou en ayant n'ayant pas démarré le match. Samedi, la réaction que en l'entendant, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Non, mais comme tu l'as dit, on le sent quand même soulagé. On sent qu'il a passé ce bloc de match un peu piège où il avait peur qu'on tombe dans certains traquenards ou dans une certaine facilité. Donc on sent que voilà, qu'il aime bien quand on dit les choses et quand on les fait. Et là, on s'était fixé des objectifs. C'est bizarre la seconde phase comme ça. Ouais, salut. On s'était fixé des objectifs notamment comptables et on les respecte, donc on le sent quand même un peu plus serein. Et on a connu quelques sorties médiatiques un peu plus mouvementées, mais là il était bien, il était ouais, calme. Il y a des choses importantes, on en parlait Fonfon là, en off. Il a quand même une maîtrise de ce qu'il dit et de ce qu'il vous laissera faire. C'est vous qui aurez le dernier mot finalement de ce que vous voulez aller chercher cette fin de saison, mais il ne se refuse rien. Ouais, exactement, c'est ce qu'on s'est dit, voilà, on va se voir demain matin à 9h pour débattre de tout ça et voir ce qu'on a envie de faire nous les joueurs et voilà, je pense qu'on va être aussi épaulé par le staff qui voilà, Christophe a assez d'expérience pour non, Christophe a de l'expérience en tant qu'entraîneur dans ces phases finales là, donc je pense qu'il va nous aiguiller nous les joueurs et on prendra la décision ensemble. Fonfon, une réaction de ce que tu as entendu. Tu peux prendre le micro et parler dedans. C'est fait pour. Ah oui, alors un Fonfon sans verre de rouge, c'est quand même un match de rugby sans essai, quoi. C'est un ching vraiment spontané par rapport à... On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tous nos proches. Moi, j'ai important. Un peu plus de recul que nos deux amis, les deux joueurs. Donc, avec le recul de... dirigeant, de coordinateur, tout ce que vous voulez. Mais la seule chose que je peux vous dire, il y avait quelques peut-être très mollo dans la voix et il ne faut pas essayer de dissimuler une certaine joie qui est présente, personnellement à moi, sur le seul fait que, eh bien, depuis, ça fait 10 ans cette année, et il a fallu attendre 10 ans pour marquer. Je pense qu'on ne va pas rester sur ce point qui nous manque. On est d'accord. Allez, on va positiver au maximum. Et une qualification dès ce soir, 10 ans après, mais croyez-moi, je ne dis pas que c'était inespéré, c'était attendu, mais 10 ans, c'est long. Et maintenant, je pense que
Nance et Cameron, qui sont à côté de nous, sont beaucoup mieux placés que moi pour parler de l'avenir à partir de ce soir. Et je crois que là, allez, n'ayons pas peur des mots, une petite fonfonnade en passant. Quelle est l'équipe? Quelle est l'équipe aujourd'hui en top 14 et qui souhaite vraiment nous prendre ou en barrage ou en demi à la piole? Chers amis, bonsoir. Faut au fond le mot juste. On va terminer cette émission avec l'hymne du vestiaire. T'as laissé parler ta créativité. Vas-y, tu veux finir en musique, tu peux. Mais comme ça, à capella? Bah ouais, c'est ça, les artistes. Bien, ouais. Bon, c'est déjà de dire un mot sur la chanson. On l'a Parce fait, qu'on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Tu m'as coupé deux fois. Et donc, non, ça m'a un peu gonflé. Et donc, je suis un peu vinaigre. Tu vois. Je suis un peu colère. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis rapproché de toi parce que ça va partir. Non, mais on voulait faire un hymne qui nous rassemble après pour cette fin de saison, pour chaque fin de victoire. Et je le dis avec beaucoup d'honnêteté et de cœur. On l'a fait aussi en hommage de Fonfon parce qu'on sait qu'il a traversé des moments compliqués, éloignés de nous à cause du Covid. Et c'est une personne que tout le groupe adore, aime et admire parce que c'est une légende. Et je pèse mes mots, Fonfitos. Et donc on a voulu aussi lui rendre hommage à travers cette chanson. Et donc on est très content déjà qu'il nous rejoigne et aussi qu'on puisse la chanter parce que ça signifie qu'on fait le plein de victoires. Donc on est très content et j'espère qu'on va la chanter un moment cette année, pour longtemps. Tu peux mettre la musique sur ton téléphone si tu veux, par exemple, pour t'accompagner. C'était masterisé On a fait un capella, mais bon. Ça a été enregistré en studio. Mais c'est ta musique, non? Non, c'est notre musique. C'est ton succès, c'est ce soir. C'est notre musique. C'est ton succès, ce on soir. On fait un sport commun. Collectif. On est tous dans le bateau, là. Ouais. Je vais pas me ruiner comme ça, même si j'ai une belle voix. C'est vrai qu'il faut le dire. D'ailleurs, je t'ai pas vu comme ça à capella. Je t'ai pas vu samedi à l'Eurovision. Non, mais on va faire un jingle, sinon. Eurovision. Non, j'ai pas pu aller. Gastro carabiné. Ouais. Donc, dernier moment. Bon, après, ouais, parce qu'on a fini deuxième, mais on devait finir devant. Ouais, ouais. Mais ouais, la remplaçante, quoi. Ouais. Bon, elle a fait bonne figure, quand même. Un peu comme Buros. Ouais. Il est mauvais. Messieurs, merci pour votre présence. Non, il veut pas. On me demande dans l'oreillette. Je te jure que l'oreillette, la régie, ils attendent que ça. Ah, mais. Ouais, la pression, il a la pression. Après. Mais dites-moi là, je chauffe mes vocalises. Moi, je m'adresse à la régie. On savait que. Non, cela jouerait petit bras ce soir. C'est pas grave. Bon, allez. Comme tu veux. La voix qui m'accompagne un peu. Moi, tu sais, j'ai un peu. Tu la connais, Fonfi, tu la connais aussi. Je la connais pas, moi. Allez, m'accompagner, les mecs. Hein. Ouais, vas-y. 3, 4. En pleine nuit, une sirène affole les joueurs de l'UBB. C'est tout Bordeaux qui se réveille et toute une ville paniquée. Il n'y a plus de temps à perdre pour retrouver notre padré. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, au stade Moga, on entend Christophe crier. Ohé, 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 mais qu'est-ce qu'on a fait d'Alfonso, Alfonso, Alfonso. On est passé à Miguito. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'Alfonso, Alfonso, Alfonso. Sûrement bourré au coin trop. Ohé, 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 papa, la mala, papa, la papa. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cet après-match, dans ces émissions. Oui. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu. Merci à Fonfon d'être passé nous voir. Merci à JB d'être passé nous emmener les plats. Bravo, messieurs. Alors, j'attends juste, avant de rendre l'antenne, je veux juste une information. Moment fatidique, est-ce qu'on a battu le record d'audience ce soir? Alors, ça va pas du tout comme réponse, parce qu'on vient de me dire, je pense qu'on n'est pas loin. Bon, ça, là, il faut du concret, là. Non? En simultané. Record battu, combien vous dites? 300 000. 300 000, et toi? À la louche, 302 000. 302 000, ouais. On était plus de 600 à suivre l'émission, c'est record battu. Applaudissements en simultané. Félicitations à vous et merci aux supporters, aux abonnés, aux partenaires, aux bénévoles qui nous ont suivis. On espère vraiment vous retrouver très rapidement du côté de Chaban. Si ce n'est pas pour Toulouse, on espère vraiment que ce sera pour un match de barrage à domicile. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci à toutes, merci à tous, merci à vous deux. Merci à Fonfi d'être venu nous voir. Ciao. Et à très bientôt. Merci. Et allez l'Union. Ciao.